bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment en forme puisqu'aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. Et aujourd'hui, je vais me bander les yeux et je vais faire de l'ASMO à l'aveugle. C'est génial, voilà, j'avais très envie de faire ce challenge. Enfin, je l'ai pas du tout inventé, il existe depuis longtemps sur YouTube. Du coup, je vais faire à l'aveugle un cupcake puisque j'adore les cupcakes, j'adore faire les cupcakes. Donc je vais faire un cupcake. Donc je vais prendre ce moule là. Donc j'ai préalablement mis de la maïzena quand même pour pas m'en mettre partout. J'ai tout avec moi à côté. Faut juste pas que je me trompe de couleur parce que vous voyez ça et ça, c'est la même à peu près taille. Enfin bref, faut pas que je confonde de trop. Je vais quand même vous zoomer pour que quand même vous voyez un petit peu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je ne suis absolument pas prête pour ce challenge. Bon, c'est parti, je mets mon masque. Et à partir de là, je ne vois plus rien. C'est génial. Du coup, alors, je prends ça et je viens y mettre la grosse boule de pâte. C'est ça, je crois. Ah oui, ça doit être ça, la grosse boule. Alors, attendez, c'est là, je crois. Là, c'est le petit, là, c'est le moyen, là. Enfin, oui, c'est là. Par contre, je sais plus. Oui, ça doit être là. J'espère que je suis dans le cadre. Je pense que c'est ça. Enfin, je pense que c'est là, c'est bon. Je sais ce que j'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre une lame. Génial. Alors attendez, je vais prendre à l'aveugle. Je sais où elle est, heureusement. Ça doit être là, voilà. J'ai réussi à l'attraper à l'aveugle. Mais je sais pas où mettre. J'ai trop peur de me couper en vrai. Je sais pas dans quel sens c'est. On va prendre ce sens-là. Je suis prudente, hein, vous inquiétez pas. Je vais pas me couper. Enfin, j'espère. Bon, on va laisser comme ça. Je sais même pas où est. Excellent. Ah, il est là! Ok, d'accord. Je pense que ça va, j'ai bien coupé. Enfin, ça va. Maintenant, je viens prendre le dotting tool qui est là. Oui, c'est ça. Et je viens faire des petits comptages. Mais laissez tomber, je vois rien. Je peux pas faire de comptage en fait. Ça va tout gâcher. J'essaie de faire à intervalles réguliers, mais c'est beaucoup trop dur. Je vais faire n'importe quoi. Donc j'arrête là pour le comptage. Maintenant, je viens prendre de la pâte. Donc là, je sais pas quelle couleur c'est. Il y a soit blanc, soit pâte à gâteau. Mais en fait, je retrouve qu'une boule de pâte. Allez, là, l'autre. Ben, je dirais que ça, c'est... Parce qu'il y en a plus. Donc, c'est la pâte à gâteau. Ben, je dirais que c'est ça. Je suis pas sûre de moi. Du coup, là, hors de la moule, de la base, je viens de faire un dôme. Et ensuite, là, c'est là. Ah non, est-ce qu'il faut bien que je mette droit ? Voilà, je pense que je suis pas mal. Je mets mon dôme. Après, je vais prendre une brosse à dents. Elle est où? Elle est là. Ça et ça. Et j'espère que je suis bien cadrée là dans le champ de la caméra. Et là, je viens faire la texture. Donc là, je ne vois pas ce que ça donne. Donc je sais pas si j'en ai mis partout ou pas. Arrêtez, c'est trop perturbant. J'ai l'impression que tout va pas. Alors que, enfin, je sais pas, c'est vous qui pouvez voir si ça va ou pas, mais j'ai l'impression de me faire tout à côté et tout. Bon, on va dire que là, c'est bon pour la texture. Je viens prendre la boule d'aluminium, elle est là, et je viens en mettre partout. Bon, là, on va dire que c'est bon. Maintenant, la coloration. Donc, les pastels, ils sont... Bah, ils sont où? Ah, là, j'ai mis les mains dessus, je crois. Il faut le pinceau. Le pinceau, il est où? Là. Normalement. Oh, mais je sais plus où ils sont, moi, les tons ocre. Mais je ne sais pas s'ils sont là, là, là. Oh, mais je sais pas, je vais prendre au pif. Hein. On va prendre là. Si je crois qu'ils étaient là. On va prendre là. Hop.
Désolée, je parle pas tout le temps et tout, mais enfin, en même temps, faut que je me concentre. Surtout là. J'espère que je prends pas des couleurs du genre du rose, du vert. Je veux des couleurs. Oh non, je me suis pris la patte dans les ongles. Voilà, moi je veux des couleurs, voilà, vraiment. Enfin, voilà, bref. Vous avez compris. Pour la coloration, je vais m'arrêter là. Parce que là, j'ai peur d'avoir fait des bêtises. Donc, maintenant, il reste l'étape du moulin silicone et de la pâte blanche. Donc, ah non, là, c'est la boulette d'aluminium. Là, sur une belle boule. Par contre, je crois que j'ai trop de pâte là pour la mettre dans ce moule là. Ah oui, j'ai trop de pâte. Alors, attendez. Je vais couper avec les doigts parce que ça va être plus simple. Hop. Pas sûr. Hein. Alors, je vais en mettre comme ça. Donc là, j'appuie bien pour que la pâte rentre bien dans le moule. Donc voilà, je vais enlever la pâte. Est-ce qu'elle est enlevée là? Non, elle est pas enlevée. Ah, je crois que là, j'ai entendu tomber. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas si j'enlève avant ou après. Je pense que je vais enlever avant parce que, imaginez, j'arrive pas à enlever. Mais qu'est-ce qui est tombé là? Bon, je sais pas. Bref, normalement, ça doit bien s'enlever. Je ne sais pas si ça va être le cas. Si, c'est bon, ça s'est bien enlevé. Je sais pas où mettre ça, donc je vais mettre ça là. Et là, on a le dessus. Oh là là, ça a l'air d'avoir beaucoup dépassé là. Enfin bon, j'en sais rien. On va mettre comme ça. Et là, je pense que j'ai terminé mon cupcake. Bah oui, parce qu'il n'y a plus rien à faire là. Ah, j'ai bien tout fait. Donc, bah voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il est joli? Je ne sais pas. Je vais enlever mon bandeau. 3, 2, 1. Ah! Ah! Oh, ça fait trop bizarre de revoir le jour. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas. Bref, c'est pas mal. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire. Bah en fait, ça va. Mais je sais pas, il y a un truc qui me déplaît, mais je sais pas quoi en fait. J'ai regardé, ça fait 8 minutes, j'ai fait ça pendant 8 minutes. Ça va, j'ai pas été trop longue, enfin un peu, mais voilà quoi. Alors regardez ce que ça donne. En fait, il est pas proportionné partout pareil. Donc ça, c'est un peu ce qui va pas, sinon il aurait pu être bien, vraiment. La texture, on aurait pu mieux faire, mais ça va. La coloration est très, enfin, est bien faite. Elle est pas faite exactement partout pareil, mais ça va. Après, je me suis pas trompée dans les couleurs. Enfin, dans l'ensemble, franchement, je trouve que ça va. Hein. Pour à l'aveugle, quand même, enfin, ça va. Après, j'ai pas pris quelque chose de dur, hein, j'avoue. C'était un truc assez simple. Mais voilà, je suis quand même contente. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, franchement, j'ai trouvé ce challenge vraiment plutôt sympa. Enfin, franchement, ça va, c'est cool à faire. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Je l'ai mal fait. Tant pis.